Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer le planeur Shenron de Dragon Ball gratuitement sur Fortnite et ce planeur est gratuit pour tout le monde. Et bien entendu toutes les autres récompenses que vous voyez ici en dessous sont aussi gratuites pour tout le monde, donc c'est plutôt pas mal. Alors pour débloquer le planeur Dragon Ball, donc le planeur Shenron, pour le débloquer c'est très très simple en fait, il suffira juste de débloquer, de terminer les quêtes de Dragon Ball. Donc vous allez dans vos quêtes, vous allez dans l'onglet Dragon Ball et là vous pouvez voir qu'il est marqué accomplir des quêtes d'échauffement. Donc il fallait accomplir 3 quêtes d'échauffement, donc les quêtes d'échauffement c'était les quêtes qui sont dans l'onglet échauffement. Donc j'en ai déjà complété 3, donc j'ai débloqué une boule de cristal. Pareil pour l'entraînement en combat, il y avait la même chose, accomplir les quêtes d'entraînement en combat. Donc dans cet onglet j'ai fait 3 quêtes d'entraînement en combat et j'ai débloqué ma deuxième boule de cristal. Là il va y avoir les entraînements de la force demain, donc il y aura une troisième boule de cristal à débloquer. Puis ensuite il y a l'entraînement à l'agilité, quatrième boule de cristal, l'endurance, cinquième boule de cristal, la concentration, sixième boule de cristal et la récupération, septième boule de cristal. Donc ça veut dire que dans 4 jours et 15 heures et 17 minutes, on va pouvoir débloquer la septième boule de cristal, ce qui nous permettra de débloquer l'objectif bonus. Donc tout en haut, vous pouvez voir, il est marqué obtenir les Dragon Ball en terminant des quêtes pour débloquer le planeur Shenron de Dragon Ball sur Fortnite gratuitement. Donc il faudra terminer obtenir les 7 boules de cristal, donc comme je viens de vous le présenter à l'instant. Alors, c'est pas tout parce que je voulais vous parler d'un truc aussi. Vous voyez les autres récompenses ici, donc il y a un logo, un niveau supérieur, un aérosol, un sac à dos, un niveau supérieur, une émote, enfin une émote quoi, un truc, un niveau supérieur, une transformation. Donc ça c'est une émote. Ça c'est une émote qu'on jette en l'air, hein. C'est pas un petit logo quoi. Ça c'est une vraie émote quoi. Gain de niveau, aérosol, gain de niveau et encore une émote. Donc voilà. Donc pour débloquer ces récompenses en fait, émote, émoticône. Ok, en fait ils les appellent tous les deux émotes et c'est ça qui me perturbait en fait. Ça c'est une émoticône et ça c'est une émote. Ok. On va pas que j'oublie ça. Donc voilà, en fait, pour débloquer ces récompenses-là, en fait, il suffira juste aussi de remplir les défis de Dragon Ball. Parce que regardez, quand je vais dans mes défis de Dragon Ball, juste ici à droite, vous pouvez voir que si je réalise ce défi-là, j'obtiendrai 4 millions de force, 4 millions de puissance. Et en fait, pour obtenir toutes les récompenses, il vous faudra 120 millions de puissance. Donc là, je suis déjà quasi à 30 millions. Il me manque 1 million pour atteindre les 30 millions de puissance. Parce que j'ai réalisé pas mal des quêtes, des défis de Dragon Ball. Mais chaque défi vous rapporte des millions de puissance. Et quand vous aurez atteint les 120 millions de puissance, vous aurez débloqué toutes les récompenses gratuites. Mais pour les Dragon Ball, peut-être que vous atteindrez les 120 millions de puissance sans avoir débloqué Shenron, parce que Shenron il vous faut absolument les 7 Dragon Ball pour l'invoquer et ensuite ça deviendra votre planeur. Donc franchement c'est assez stylé. Bon après moi j'ai le planeur de Dragon Ball, il semble beaucoup maintenant, j'ai le nuage magique, donc voilà, j'aurais préféré qu'ils nous mettent une traînée de fumée parce que j'ai pas de traînée de fumée pour Dragon Ball, enfin j'ai mis celle-là, je trouve qu'elle est assez stylée. Donc voilà, enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, franchement, je suis très content de cette collaboration. Je sais pas pour vous, qu'est-ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et j'espère que cette vidéo d'information vous aura été utile et vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos en Goku tout simplement. Puis en Goku Super Saiyan 1, je crois, ou Super Saiyan 2. Voilà, il a tous les deux les cheveux blonds de toute façon.
Les Super Saiyan. Bon, moi je dis divin. Au début je disais God, mais c'est vrai que God, c'est quand il a les cheveux rouges. Donc moi là, celui-là, je l'appelle divin. Je me suis fait allumer. Non, quand j'ai dit que celui-là, il s'appelait God, je me suis fait allumer dans l'espace des commentaires. Un truc de fou, les mecs. Je me suis trompé. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai vu les Super Dragon Ball Super. Mais voilà, je pense que celui-là, c'est Super Saiyan Divin, si je ne me trompe pas. L'abonné m'a dit que c'était Super Saiyan Blue. Je me souvenais pas qu'on disait bleu, quoi. Super Saiyan Bleu, ok. Après, c'est possible. Enfin, ça remonte à longtemps. Donc voilà, et là, c'est un Super Saiyan que je connais pas, parce que j'ai pas encore tout vu de Super, des Dragon Ball Super. Mais celui-là, il a l'air encore plus badass. Donc voilà. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakun Mec et ciao. Peace.